Salutations personnes de tout genre et bienvenue dans cette nouvelle VOD. Aujourd'hui on découvre le jeu Sulfur. Enfin techniquement on redécouvre car il y a quelques jours on a découvert la démo qui pour le coup m'a pas spécialement convaincu. Hein, si vous avez vu la vidéo vous avez vu que j'étais pas forcément des plus convaincus. Mais j'ai reçu une clé gratuitement, techniquement j'en ai reçu deux. Voilà. On va voir ce que ça donne. Peut-être que la démo était mal fichue. Peut-être qu'il y a des trucs que j'ai mal compris. C'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Est-ce que tu as lancé YouTube? Oui. Notre perso est la jaunisse quand même. Bon, bah go lui péter la gueule. Ou plus exactement, go se faire péter la gueule. C'est un Simpson, exactement. Attendez. Voilà. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit truc caché dès le départ là? Regardez là. Hop! Le cep! Mais oui. Vous avez vu ça? Il suffisait de fouiller un peu et en fait il y a un cep sacré. Et grâce au cep sacré... Vous allez voir, on gagne plus 50 de force dès le départ. Non, il donne 5 points de vie. Cela dit, je crois que j'ai oublié l'idée de jouer à la manette. Parce que je sens que c'est pas la meilleure des idées. Ah, Franck, que tu ne dises quoi que ce soit. Je sais que tu ne te souviens de rien, mais écoute, surveille tes arrières, d'accord? La boule de feu que tu viens de voir pénétrer dans cette grotte, c'est la sorcière qui a brûlé ton église et tous ceux qui se trouvaient à l'intérieur. Je suis prête à répondre à l'une des quatre questions que tu dois sûrement... que tu as envie de me poser. Fais-le maintenant. PTDR, t'es qui? Ah non, je suis qui? Tu es le prêtre, le padre, le saint patron de cet établissement en feu que tu vois derrière toi. Et tu ne t'en souviens peut-être pas, mais c'est à cause d'une soif de vengeance que tu as fini dans cet arbre. Et toi, t'es qui? Et salut, Aaron. Je suis ta conscience, le petit ange sur ton épaule gauche, ou juste une hallucination. Tout ce qui t'aidera à te concentrer sur la tâche qui nous incombe, en fait. C'est important pour nous deux. La seule chose que tu dois savoir, c'est qu'on est amis depuis longtemps. Du moins, c'est ce que je te raconte. Et où suis-je? Tu te tiens devant une grotte. La grotte mène à un portail, et qui, lui, te mènera dans un état dimensionnel appelé Sulfur. Et salut, zombie. Et c'est un peu comme la salle d'attente de la vie après la mort. Je suis sûr que tu appelles ce concept autrement, étant donné ta profession. Mais sa nature te surprendrait. Et faut que j'aille où? La question la plus importante. Tu vas devoir suivre cette maudite sorcière. Il y a des endroits où l'énergie est naturelle et pure. Elle va vouloir les visiter. On ne pourra être à sa hauteur que si nous aussi, on utilise ces sanctuaires. T'as sûrement remarqué que la mort et le temps ne sont pas aussi impliables qu'on le pense. Go alors. Mais jolie notre petite église en feu quand même. On a causé plus d'une question. Bah je suis assez d'accord, ouais, on a quand même... C'était 4 questions relativement fournies. Quoi. Après c'était peut-être comme les exercices de maths. C'était question 1 petit A, question 1 petit B, petit C et petit D. Donc finalement on a techniquement posé qu'une question, tu vois. Et je vais juste...
peux pas baisser la sensibilité de la souris. Ah ah, et nous avons un premier coffre. Eh bien, attention, voilà pour toi. Alors, pour le coup, s'il y a bien un enfant à qui je déconseille de proposer les bonbons qui se trouvent à l'arrière de ton van, c'est bien lui. Eh oui, sinon il va te défoncer la gueule. J'essaie de faire un truc que j'ai pas fait dans la démo, c'est-à-dire bien fouiller. Ok, oui, il y a des petits secrets. Chouing. J'ai l'impression déjà qu'on gagne plus de thunes que dans la démo. Je sais pas, mais je me rappelais pas trouver autant de thunes. C'est quoi le but du jeu ? Retrouver une sorcière qui a brûlé notre église et lui expliquer qu'on est assez mécontent. J'ai envie d'aller dans l'eau. Eh, je suis pas mort. Hein. Moi, ce que je retiens, c'est que je suis pas mort. Il peut contenir des vers pulmonaires. Est-ce que si je fais chauffer les deux ? Dommage. T'aimes bien ? Bah, comme tu peux le voir, on vient de lancer le jeu, donc avant de dire que j'aime bien, il faudrait peut-être que je joue un minimum. Tu peux baisser un peu le bruit de l'épée. On peut essayer ça. Ouais. Oh, putain, ils ont mis un mode misophone. C'est trop bien. Est-ce que là c'est pas trop bas par contre ? Bah c'est pour éviter tous les petits sons. Tous les petits sons désagréables. Tu sais, tous les chuchotements, les trucs du genre. Enfin, logiquement, parce que c'est un truc pour empêcher les misophones d'être trop mal à l'aise. Donc j'imagine. Bien ce qu'ils mettent son de la musique. Bah je veux bien mais donc juste la musique quoi. Et salut Anne-Marie, comment vas-tu? Attention avec le spam des emotes dit sur Twitch. Ah le voilà, approche-toi du sanctuaire pour que je puisse absorber un petit peu de son essence. Ok. Et salut Mutel. Mutuel, pardon. Comment vas-tu? C'est pour sortir l'amulette. Je suis pleine à craquer. Je peux nous faire remonter. Non. Il m'a vraiment pris en traître. Chier. Je me disais qu'il n'y avait pas de son de musique depuis le début.
sont fous. Ils sont pas super sympas, hein. Pas très accueillants dans le coin, je trouve. Je peux faire que un truc par un truc. C'est quoi cette merde? Alors la musique va pas du tout avec l'action. Ouais, mais ça nous met dans l'ambiance, t'inquiète. T'es caté, Clem. Alors attendez, je bois un peu de café. Ils sont pas très gentils, les petits monstres. Bah pareil, moi je trouve qu'ils sont pas forcément des plus accueillants. Et pourquoi je peux rien prendre? Voilà. Mais encore une fois, là, j'ai pris super cher. Ok, donc eux, ils attaquent pas. Donc faut bien faire gaffe parce que ceux qui attaquent pas, faut pas les attaquer à l'arme à distance parce que des balles on en a pas des masses. Une bouteille d'eau. Ça fait quoi la bouteille d'eau? 3 de la précision. Retient l'effet de brûlure et le statut empoisonné. Ok. Ils ont rien demandé. J'aurais pas demandé quelque chose. J'ai juste envie de tuer des gens. Quand même pas commencer à demander leur consentement avant de les massacrer. Oh, un sweat à capuche. Armure plus 5. Incroyable. C'est vrai que si je commence à trouver des trucs avec de l'armure, j'ai peut-être arrêté de mourir comme un gros naze. Ça peut être intéressant. On est BG de ouf pour un prêtre. Et navré si j'arrête pas de me gratter le nez, mais je sais pas pourquoi. C'est ce soir là, c'est ça gratte de ouf. Non, j'ai toujours du mal par contre avec avec les lieux. Hein. Un peu de fromage. J'ai trouvé un rocher. Je pensais que ça se mange aussi. Test. Allez. Alors lui, il contient un puissant poison. Ok. Donc j'imagine qu'il faut éviter de le manger alors. Ma maman disait toujours, le poison, c'est pas bon. Il y a du sang partout. Ouais, mais c'est pas mal, c'est pour mettre un peu dans l'ambiance. Tu crois? Bah, je crois, hein, Clem.
Bonjour. Ah ah, j'en étais sûr. Allez hop. On se relèvera pas de sitôt. Ça a dit, j'essaie de monter, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien au-dessus, donc ça n'a pas grand intérêt. Hey, salut la puce à l'oreille, comment tu vas? La France n'a toujours pas de budget, c'est chaud, non? Mais non, c'est pour plus de twists. Si on avait déjà un budget, ce serait trop simple. Bonjour, un client, je veux dire... bonjour, je travaille pour la société Auckland. Nous créons les meilleures armes à feu, ainsi que pas mal d'accessoires. Jeter un coup de marchandises. Donc là, il me faut quoi? Une 9 mm. Ouais, parce que... J'ai l'air d'avoir 3000 balles sur moi. Il est mignon lui. Bah écoutez, les affaires s'arrêtent là. Hein. Est-ce que je peux pas juste bouffer des champignons comme ça? Si. Je peux en bouffer quelques-uns. C'est bizarre, il y a plein de trucs qui ont l'air inaccessibles. Bon après j'imagine il y a aussi des choses où on découvrira petit à petit, genre des moyens de casser les murs comme ça. Mais il y a plein de trucs que... Genre j'ai l'impression qu'il faudrait pouvoir faire des sauts de malade. Ok. Donc on est de nouveau full life. Dans la bouche là. Je suis mouillé. J'ai pas l'impression que ça change quoi que ce soit à ma vie. T'es mouillé quoi, c'est ça. Attention, je suis mouillé maintenant. Et je suis par conséquent d'autant plus vénère. Je me demande aussi si on pourra trouver un inventaire plus grand, ce genre de choses. Bah, ce qui avait vraiment manqué sur la démo, c'est la possibilité d'avoir l'impression de s'améliorer d'une run à l'autre. Donc, voir ce qu'il en est. Mais eux ils font des sacrés sauts par contre. Bon, je suis pas d'accord. Moi aussi je vais pouvoir faire des super sauts. Il
faut, il reste plein de champignons. Ça a l'air d'être vachement plus généreux en champignons par contre. Parce que dans la démo, pour trouver des champignons, c'était une horreur. Un t-shirt blanc. Je pense pas que ce sera mieux que ce que j'avais. Ouais, c'est ça. Armure plus 2. Pourquoi il y a un vieux rire là? Bon, troisième étage. Et salut Samy, comment tu vas? Écoute, ça va aussi. Nouvel objet. Alors, je finis de tuer tout le monde. Et on verra ce fameux nouvel objet qu'on a trouvé. Et apparemment, j'ai trouvé un nouvel objet. Ah non, c'est qu'il est monté de niveau. Ok. Donc les armes peuvent monter de niveau. Ok. Et je pourrais visiblement les enchanter aussi avec le temps. Le sens des priorités. Bah pour le coup, c'est malin. Elle est où? Oula, je vais aller manger des champignons. J'avais pas vu qu'ils avaient réussi à me taper dessus. Mais non, pas les champignons, Clem. N'importe quoi. Bâton plus 1. Ah, il y a un coffre. Parce que... ça dit qu'en plus c'est du poison, donc je suis pas sûr d'en avoir besoin. Alors, ça peut servir à écraser des choses. De la farine. Un costume de l'époque. Putain, la farine, mais ça coûte... ça prend tellement de place. Armure plus 4. Charisme plus 10. Charisme qui va avec.
plus beaucoup de place. Et salut Symmetry, comment tu vas? Voilà. Bon, essayons. Je fais peut-être des conneries, hein, mais... C'est dommage, il a pas d'armure ou autre. C'est bien ça, hein. Ok, un petit peu mieux. Ah, j'ai réussi à finir de regarder la vidéo sur What the Car. Sur téléphone, c'est pas évident, putain, tu m'étonnes. Mais sinon, quand c'est comme ça, n'hésite pas à attendre un peu. T'as la VOD qui arrive plus tard pour regarder sur ordi. T'es gentil ou t'es méchant toi? Ok. Est-ce que tu as vu une... Enfin, est-ce que tu veux bien m'enchanter des trucs? Octroi du slow motion. Alors ouais, c'est sympa tout ça, mais ça marche comment? Avant les trucs moins chers que l'autre. Ah ok, faut faire glisser sur une arme. Mais dans tous les cas, j'ai pas assez de sous. Je n'ai pas de PC. Ah oui, effectivement, ça complique la chose. Mais ouais, non, hier, la session, en plus, c'était rigolote sur What the Car. Il y avait des trucs rigolos. Oui, et surtout qu'on a réussi sur Isaac. C'est ça qui est bon. Et salut Alix, comment tu vas? J'étais surpris de réussir ma partie de... d'Isaac. En général, je me fais un peu démonter. Quoi. Des lunettes rondes. Résistance au charme. Ah oui. C'est bien. Maintenant vous savez, si vous avez des lunettes, vous pouvez résister au charme des gens parce que vous voyez leur vraie tête. Il faut donc que je me dépêche de trouver quelqu'un qui n'a pas de lunettes. Clem, je retire ce que j'ai dit, t'es pas obligé de mettre tes lunettes quand on est ensemble. Bah écoute, moi ça va aussi, Alix. Tu as peur de quoi? Que tu vois ma vraie tête?
j'étais obligé de lui mettre un chargeur entier pour qu'il crève. Donc ça c'est quoi? Enchantement élémentaire. Créer un nuage de poison. Ok. Ah mais ça marche aussi sur moi le poison. Mais c'est complètement con comme principe. Et salut Cathy et salut Genox. C'est débile. Mais attends du coup. Voilà pour toi, ça mettrait dans 3, dans 2, dans 1. Félicitations, tu as trouvé une brique jaune. Chante-nous donc une petite chanson. Incroyable. Ah, tu vois là, je ne me laisse jamais de te voir sortir de là. Mais heureusement que cette amulette n'arrête pas de te donner des chances supplémentaires. Allez, je te la refais, tu es la personne qui a pris soin de nous. Bah, va bien mon église, elle a pas brûlé finalement, tout va bien. Et toi, t'es qui du coup? On me connaît sous le nom du Fossoyeur. Pour l'anecdote, j'étais muet comme une tombe dans le monde d'avant. Les jours où j'étais silencieux me manquent. Les gens attendent de moi que je réponde à leurs stupides questions maintenant. Qu'est-ce que je peux faire ici? Tu peux réparer ton équipement chez Ralphie à l'extérieur de l'église. D'accord. Tu peux également stocker des objets, de l'argent et des munitions dans des stocks de stockage. Ah ouais, donc tu farmes d'une mission à l'autre, quoi. Et c'est quoi ce truc que tu fumes? Du sulfure. Incroyable. Ouais, donc faut farmer. Tu reviens, tu farmes, tu reviens, tu farmes. C'est nul. Mon arme est retournée niveau 1. Ok, là il y a des trucs pas forcément trop chers. Ouais. Putain, mais j'en reviens pas, quoi. Je suis mort parce que je me suis moi-même tué. Donc lui, celui qui vend les armes super chères. Et ça, c'est celui qui fait des enchantements. Ouais. Toujours pas convaincu, hein. Salut Garvugo. Bah ouais, non, je suis toujours pas convaincu parce que je trouve toujours que le jeu est moche. Je trouve toujours que c'est relativement dur. Donc, je sais pas. Enfin non, le jeu est pas moche, le jeu est vide. Puis on gagne pas assez de thunes sur une run. Ouais, mais je veux bien que tu sois pas immunisé à ton propre, à tes propres armes, mettons, tu vois. Mais genre tu tires dessus, au bout de 4 trucs dans la gueule, il est pas mort, il arrive près de toi, il t'empoisonne aussi. J'avoue, ça fout un peu le seum quand même. Non, puis c'est vide quoi. T'es quasiment jamais récompensé de fouiller, je trouve ça chiant.
là où il y a un coffre. Mais je peux pas aller là-haut. Des munitions pour une arme que j'ai pas. Bah ouais, non, je peux comprendre quand même. Comment je suis supposé aller là-haut? Ouais, des cellules d'énergie. À me toucher. Viande mystère. C'est vendeur. Oh non. Il y avait un petit chien, loup, slash créature. On joue à Pokémon Go finalement. Exactement, Clem. Il faut attraper tous les gobelins. Des fois j'arrive à grimper. Je parlais pour les cellules d'énergie. Bah je sais, t'inquiète. Mais du coup c'est pour attraper les gobelins. Cela dit, si on ramasse les cellules d'énergie aussi vite que dans Pokémon Go, on va pas s'en sortir. Il est shiny le gobelin. J'avoue, les petits gobelins shiny là. Il y a par ici et il y a par là. Waouh, des pièces vides, incroyable. Content d'avoir pris le temps de fouiller un peu. C'est non. Bah écoute, bonne nuit, Samétri, merci de passer un petit peu. Ouais, pour l'instant, est-ce que le jeu il plaît à certaines personnes ? Toi. Pour l'instant, mais aussi, ouais.
rêve un jour. Une figure en or. Ça, si ça, ça se revend pas. Allez hop, on va se soigner un peu quand même. T'as dit j'ai quasiment plus de balles donc... Le niveau de l'arme a augmenté. Mais je peux pas croiser un vendeur, un feu. Putain, putain. Bah c'est la mort. Hein. Testons ça. C'est pas le modèle de pistolet des nazis d'ailleurs. Bah c'est un modèle très années 40, ouais. $2500, voilà. Mais bon. Plaque de robot. Ton stock. Armure plus de résistance à la lumière. Bah je m'en bats un peu les steaks, non? Ça dit, armure plus 2 sera toujours mieux que armure moins 0, quoi, mais... Écoutez, ce qu'on va faire, c'est... Je vais ranger de la thune. Voilà. On va garder de l'argent pour plus tard. Ce serait cool aussi d'apprendre un peu des recettes. Parce que pour l'instant, j'en connais pas. Moins 0, mais c'est un extrêmement dur malus, Clem. Bah, les musiques sont sympas, mais c'est vrai que je vois pas trop le rapport avec le jeu, quoi. Mais j'ai pas l'impression qu'elle réagisse particulièrement à des choses qui se passent autour de nous. Ah ouais, regardez, je peux tout casser. Voilà. Ça sert à rien. Mais je peux le faire. Alors. Dispersion moins 0,2. C'est pas incroyable.
Et du coup, ils ne peuvent plus faire tomber d'organes. Je sais pas ce que ça veut dire. Ah, retire l'effet de brûlure, ça c'est pas mal. Descente d'organes. J'avoue. Et donc, ouais, il y a moyen de trouver des fois des objets sur des monstres qui peuvent se revendre super cher. Mais bon, je trouve que pareil, le taux de drop d'objets de manière générale est assez, assez bas, quoi. Un rocher. Ah, merci. Mince, mon foie m'a glissé des mains. Ah, moi, la foi, je la garde parce que je suis prêtre dans le jeu. Je peux pas le perdre. Petit bouillon, là. Wesh, wesh, mon browser. Oh. Laisse-moi voir. T'as pas grand chose qui m'intéresse, quoi. Là, il me vend des armes en mauvais état. Et qui sont pas incroyablement meilleures que ce que j'ai en plus. Bleu. Un tableau célèbre. Vendre un max 8000 balles. Ah ouais, ok. Donc lui, il est silencieux et il tire du... Est-ce que l'aventure s'arrête ici parce que je tombe dans le trou? Ça, j'y ai cru. L'enchanteresse. Alors, qu'est-ce que je peux faire?
Ok, ça permet d'étourdir les autres. Chance d'électrocuter la cible, geler la cible, d'enraciner les cibles. Bah en vrai, je pourrais tester ce truc-là. Hein. Chance de faire secouer la zone. Ah mais je peux pas avoir le silencieux plus un enchantement. Ah. Ah peut-être pas alors. Elle peut recharger mon amulette. Ok. Donc je peux de nouveau fuir si je le souhaite. C'est ça. Si à un moment je vois que je suis en danger, je pourrais me permettre de fuir de nouveau. On commence à comprendre un peu. Mais effectivement, c'est un roguelike et pas un roguelite. Hein. C'est... Tu ne t'améliores pas d'une run à l'autre. Quoi, mais quel bâtard. Le vilain. Ok, oui, il y a d'autres ennemis que j'ai pas vus. J'ai pas de grenade. Non. Je mets de l'eau plus. Ah. Ouh. La petite soupe. Ok. Donc pas si con finalement. La fuite est de nouveau une option, merci. Bah attends, ouais. Toujours. Hein. C'est comme ça que je combats. Hein. Et je peux te dire que mon pote qui est plombier, il est ravi que je sois aussi fan de fuite. Et salut Vince, comment vas-tu? Non. Mais crève. Violence du truc. Ah mais j'utilise les mêmes munitions que... Ah non. On peut tester ça. Ça a l'air d'être un peu meilleur. Ah oui. Ouais, c'est bien meilleur. Je trouve que cette phrase était chelou, Clem. Ah ouais. Je trouve pas.
Mais des fois, ils ont plus de vie. Je comprends pas comment fonctionne leur vie. J'ai l'impression que des fois, ils sont mastoc de ouf. Mais genre, t'es pas mort. Bah voilà, c'est ce qu'on disait, ouais. Les musiques sont un peu... C'est étrange, quoi. Je comprends pas pourquoi ça se recharge pas. Voilà. De la sueur et un escargot. Un bandana bleu. Ne pas confondre avec le bandana rouge. Qui lui est très différent. Pas de soucis quand même. Le bandana, il me fait plus 1 d'armure et dégâts du pistolet plus 1. Ok. Bon, plus 1, ça sert pas à grand chose, j'ai l'impression. Mais... n'est pas enchantée. Donc elle, à la limite. Je peux lui acheter un truc. Gèle la cible, enracine la cible. D'accord, logiquement, que là, si je reprends, genre, voilà, le fait que ça mette du poison, là, ils pourront pas m'empoisonner. Parce que c'est eux qui seront empoisonnés, ils transmettront pas du poison, ce sera pas un gaz. Je peux pas. Ah, je peux pas l'enchanter. Ah bah merde. Super. C'est le coin. Il est inoffensif, on s'en fout. On l'a pas déjà vu cette pièce, j'ai
l'impression qu'on en a déjà vu une qui avait exactement la même gueule. Ah ah! Un coffre avec un couteau de lancer. Restaure de la durabilité. Cool. Peau de chien. Ça irait bien à un chien. C'est pas faux. Après, tout à la même tête. Le petit switch jaune et le bandana est stylé ou pas stylé? Oh, les petits talons hauts là! Incroyable! Charisme plus 500%. Vitesse de déplacement moins 20. Armure plus 1. Eh! Petit charisme là! Par contre, du coup, je saute moins haut. Par contre, j'en ai trouvé qu'un. Donc, je vois bien le mec qui marche avec un seul talon. Niveau 4, c'est là qu'on est mort la dernière fois. Donc faisons attention. Par contre, le charisme, j'aimerais bien qu'on m'explique à quoi ça sert. Pas dans la vraie vie, hein. D'accord, ça change rien. Efface ma description. Je vois bien la description de Clem. Alors, effectivement, dans la vraie vie, tu ne connais pas. Donc voilà à quoi ça sert de base. Ça m'étonne pas de vous.
Regardez-les-moi là, c'est faussement téméraire. Salut mec. Alors. Ce que je pensais. Je me demandais si ça pouvait pas permettre de baisser les prix des articles, mais visiblement non. Ah, maintenant il a un emplacement vide. Ok, comme il est monté de niveau, je peux lui rajouter un truc. Ah, intéressant. Extermination en règle. Bah écoute, au moins je reste en règle. J'ai peut-être acheté ça. Restore 1000 de durabilité. Voilà. Et ensuite du coup, il me faut du 7 et du 5. Un de chaque. Voilà. Bon. Ensuite, je peux reprendre ça, du coup. Non ? Si je réagence un peu. Et ça, je vais pouvoir le vendre aussi. C'est bon. C'est pas comme si j'allais m'en servir. Dégâts 120. Ouais, non, c'est naze. Ok. Extermination en règle, circulez s'il vous plaît. Si vous voulez, je peux mettre un costume de policier. Hein. S'il y a que ça pour vous faire plaisir. On va chasser du gobelin. J'ai déjà les menottes. Non, en vrai, j'aurais pu le faire, mais j'ai un peu la flemme. Puis j'espère que ce soit mal pris. On va faire une giga brochette. Non. Ah, est-ce que ça ferait pas une omelette? Mais si, incroyable. La flemme pour nous. J'ai un peu la flemme de mettre un costume de policier là tout de suite. Mais tu le verras la semaine prochaine, Clem, t'inquiète. Ah oui, bah si tu regardes dans mon sac, tu verras, il y a un costume de police. Limite, peut-être qu'à un moment je mettrai la casquette si vous voulez. Mais il est sur cette arme là, le silencieux, c'est pour ça.
Alors. Instant lore. Genre. Je quitte rarement le confort de mes bois, vous savez. Mais la tempête sera là demain et je crains que mon humble refuge ne puisse y résister. Voilà pourquoi je me tiens devant vous. Serez-vous donc sourd aux suppliques d'une vieille dame? Acceptez-vous de me donner un refuge? Ah. Vous n'êtes pas un fardeau, madame. Entrez, je vous prie. Et cela me réjouit. Ah. Vous êtes peut-être un fardeau, finalement, j'ai rien dit. Donc maintenant, on a logiquement quelqu'un d'autre qui nous attend au refuge. Mais attendez, c'est vrai que j'ai ça, donc je saute moins haut. Mais non, mais putain, mais la moitié des coffres, tu peux pas y accéder, c'est quoi ce jeu de con? Merci. T'as tout ça pour ça. I don't speak baguette, me dit-on. Ah, le pauvre. Pourtant, parler au pain, c'est quand même incroyable. Gandalf regarde dans le vide. Oh non. Il fait le chien triste. Dispersion moins 75. C'est bien ça. Ah ouais, non, là c'est très très bien. Il y a une dispersion. Très peu de dispersion. Si vraiment il râle, tu me diras, Clem, mais. Mais il est invincible ou. D'accord. Et cette saloperie giga forte, ça donne rien quoi. Par contre, j'ai l'impression que ma dispersion, ça rendait le truc encore plus libre. Ah non. Bon, c'est juste que vraiment celui d'avant était très fort. Hein. Ah, une grenade. De ma gueule, hein. Et qu'est-ce que j'en ai à foutre de voir ça? Ah! Ok. Mais
croquette ou pas croquette? Telle est la question. Bah la réponse c'est toujours croquette, Clem. Ah, y a plus de chances de faire des critiques. J'aurais moins de loot avec, mais j'ai plus de chances de faire mal. En plus, je monte bientôt de niveau avec cette arme. L'idée des armes qui montent de niveau est cool. Seul truc qui me fait un peu peur, c'est que j'ai quand même très peur qu'au bout d'un moment... Attends, est-ce que je te dis après? J'ai très peur que si on améliore vraiment beaucoup notre stuff, le jour où tu meurs, t'as vraiment pas envie de relancer une partie. C'est ça, si t'as pas un minimum d'amélioration sur tes armes qui font que, j'ai peur que t'aies pas spécialement envie de relancer quoi. Oh. Ok. Cette arme commence à devenir intéressante. L'amélioration des armes est plutôt cool. Bon, par contre, maintenant, faut que je prévoie en étant vraiment de loin. Putain, mais ça sert jamais à rien de monter, c'est incroyable. Amusé dans le coin. Alors. Je pensais que j'aurais pu me faire de l'eau minérale, comme ça. Petit escargot, ok. Petit escargot au beurre. Salut Jacob, comment vas-tu? Oh shit.
Ah, c'est bon, ça l'a empoisonné. Ok, il est monté niveau 3. Enfin, niveau 2. C'est vrai que ça commence niveau 0. Je suis content d'avoir une grande salle, hein. Mais les sacs à PV quoi. Du coup je ne saurais pas à quoi te répondre, Jacob, désolé. Oh la vache. Ah c'est sympa le détail de toutes les munitions par terre. Ça c'est cool hein. Ça j'aime bien. Non, il y a des idées sympas. Les munitions rebondissent. Alors ouais. Ça a l'air cool, mais est-ce que j'ai pas des chances de me les prendre dans la gueule? Écoutez, testons, hein. Je vais mettre sur cette arme là parce que je tire de plus loin avec. Donc si jamais j'ai un peu moins de chance de me les reprendre dans la tronche. On fait une run quand même moins dégueulasse. J'aimerais bien juste trouver de l'armure. Hein. Parce que j'ai un peu peur qu'au moindre coup je me fasse démonter la tronche. J'ai trouvé une langue. Il m'a mis un enchantement, mais je sais pas ce que c'est. Okay. Peau de gobelin. Un marchand ou un truc. Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? C'est pas le mec de chez moi? D'accord. Du pâté de foie. Résistance au gel. Puissance des sauts plus 25. Ça, ça m'intéresse. Bon, faut que je rachète des munitions. 5 et 7 aussi.
Là, c'est armure plus 2, ouais. Ah, il vend pas de coton-tige, fais chier. Parce que là, résistance au gel. Ah, quoique. Je disais, ça sert à rien, mais en fait, le gel, c'est ça, c'est l'espèce de petite boule de neige qu'elle me balance. Donc c'est pas complètement déconnant de prendre ça. Toujours prendre tout ce qui est champignons et tout autour. Parce que bon, ça fait toujours 5 pièces par ci, 5 pièces par là. Ouais, le saut plus 25%, c'est pas dégueu. Imperméable. On regardera après s'il est bien ou pas. Oh non, il y a des petits chiens. J'ai trouvé des sneakers. Et salut Technocraft. Armure plus 1, c'est de la merde. Et ça, c'est sneaker. Vitesse de déplacement plus 10. Armure plus 1. Ouais, donc c'est de la merde. Bien. Oh. Ah, je peux combiner deux parchemins. Ah, ok. La mécanique est sympa. Oh. Bah, ça va et toi? Alors déjà, je peux lui vendre ça, je peux lui vendre ça. Donc j'ai le droit à une autre huile, ici. Il a quoi comme huile? Recul, moins... Dispersion, plus 3. Non, ça c'est de la merde. Plus 25 de dégâts. Ce serait pas dégueu, hein. 25 de dégâts là-dessus... Dispersion, moins 6. Moins 0,6. Donc ça fait moins de loot, mais beaucoup plus mal. Je pense qu'on va partir là-dessus. Hein. Il faudra vite que je trouve quelque chose pour ça, là, un coton-tige ou autre. J'ai acheté mon premier chat. Oh la classe! Mais écoute, j'espère que vous serez heureux tous les deux. Prends soin de lui. Hein. Ou d'elle d'ailleurs. D'accord. Ici. Non, ici j'en viens. Donc pas par ici. Par là-bas. Les dégâts plus, pour l'instant on les ressent pas des masses. Hein.
Bah écoute, j'ai un avis un peu plus positif, clairement. Mais je sais pas, je trouve quand même que le jeu peut facilement devenir frustrant. Genre là, si je meurs, j'avoue, je sais pas si j'aurai la foi de recommencer à zéro, quoi. Et j'aimerais bien essayer de voir l'étage 7. Il y a eu un... On est d'accord. Pantoufle bleue. Plus un d'armure. Ah mais putain, je peux porter deux chaussures. Je suis con, moi. Tu l'as appelé comment du coup ton chat Technocraft? Ok. Bon, étage 7. Va-t-on survivre? Alors si tu regardes sur ma chaîne, j'ai déjà fait Poppy Playtime pour le coup Technocraft. Ah ouais, mais pour moi t'es quand t'achètes, enfin que tu mets des chaussures, t'as la paire, tu vois. C'est quand même assez rare que tu te balades avec une seule chaussure. Tu vas l'appeler Rumi? Je connaissais pas du tout. Pour le coup, c'est original. Ah bah voilà! Vous vouliez que je sois en policier? Armure plus 2. Oh shit. Être anniversaire de cousin. Un moelleux? Oui, oui. Juteux et avec peau qui fait crack. Et eux donner envie pour rigoler. Moi, remercier Skier pour cadeau. Si Skier était pas prochain sur liste à être mangé. Une liste? Pas assez nourriture dans grotte. Autre cousin à tirer à courte paille. Sinon moi pourrais devenir affamé et mourir. Ça sert à quoi les uniformes dans le jeu? Bah chaque uniforme a des particularités. Par exemple là le truc de policier, ça a renforcé les pistolets. Mais eux, ils vont mourir si tu les manges. En quoi c'est juste? Moi être gros. Et j'imagine que ça se tient dans la logique gobeline. Nourriture trop parlée, sauter dans bouche pour moi mâcher vite. Eh ben c'est parti. Okay.
contre, ça m'a servi à rien de le ranger là. Enfin, heureusement que j'ai pris le saut plus 25% là. Le jeu est gratuit? Non, il coûte 25€. Messieurs, sur Twitch, si à un moment quelqu'un trouve que le jeu est bien et qu'il a un PC, qu'il n'hésite pas à me le dire. Hashtag wink wink. Non, non, c'était très con, c'était super con, c'était giga con. Quand on faisait ça, ça mettait sur pause. Oh, c'est tellement généreux que ça met sur pause. Chargement de munitions qui met en stress de ouf. Non, surtout que c'est un jeu où si tu meurs, tu recommences tout quoi. T'as plus d'amélioration, tu perds toutes tes armes. La chair de gobelin. Et du coup, j'ai obtenu ça. Ouais. Pas sûr d'être fan de l'arme. On pourra toujours la tester un peu, hein, mais... Oui, bah, on fait ce qu'on peut, que veux-tu. Et du coup, comment ça va, toi? T'as qu'une seule arme au corps à corps, je pense. Ça a l'air d'être ça, hein, parce que je peux même pas la changer. Donc ouais. Tu as vu le film Venom? Non. Ah, est-ce que je suis pas obligé de rentrer chez moi maintenant?
Parce que là... Ouais, je peux pas ressortir. Donc on aurait fini. On fait aller la routine. Bon, c'est déjà ça. Okay, donc on aurait réussi à finir une run, non ? Ah, je peux lui donner plusieurs trucs à la fois. Voilà, on a tout réparé. Maintenant, le reste, on peut aller le vendre. Ou alors j'ai loupé un passage, c'est possible aussi. Hein. Et ça m'attendait pas que tu sois obligé de revenir à la base de temps en temps quand même. Ça je peux lui vendre, ça je peux lui vendre. Oh, c'est les flingues d'Hitman ça. J'ai presque envie de les essayer. Mais le truc, c'est que cette arme-là était pas mal aussi. 300 CPM. Ah, ça tire deux fois plus vite, quoi. Est-ce qu'on revend cette arme pour passer sur ça ? Sachant qu'au départ, ce sera moins fort. Tente. Ok. Qui est une nouvelle salle. Ok, attends. On va d'abord aller réparer les flingues que je viens d'acheter. Mais attendez, non, ce que je vais faire. Ça, je rachète. Je vais le mettre dans mon coffre. Ils te vendent des flingues cassées? Ouais. En fait, les flingues qui te sont vendues sont déjà en tas d'usure. Enfin, avec un certain état d'usure. Mais après, tu peux toujours les améliorer. Quoi. Ça, à la limite, je peux partir avec pour améliorer ça au bout d'un moment. Ce qui fera perdre beaucoup de dispersion, ce qui est pas dégueu. Par contre... J'ai pas compris ce que je peux faire de cette salle pour l'instant. Mais visiblement, notre lieu s'améliore petit à petit. Mais elle est où la vioque qu'on a prise ? Normalement, il supposait y avoir une vieille maintenant. Oh.
visiblement il y a une sorte de cave, mais j'ai pas l'impression qu'on puisse rentrer dedans. Donc lui il prend des 9 mm, donc je vais avoir besoin de ça. Oui mais j'ai plus les sous. C'est Clem Lavioc. C'est pas faux. Clem le dit souvent elle-même que c'est un peu une vieille. Et là, elle va me regarder. J'ai jamais dit ça, espèce de petit con. Oui. Ah non, elle a dit oui. On va ranger ça. On va se garder des balles de côté pour la prochaine fois. Ça, j'en utilise pas. Ça, pour l'instant, je les utilise pas. Ok. Donc, on va toujours bien penser à remplir son truc pour pas tout perdre, quoi. Il y a la ville aussi autour qui s'améliore. Ok, donc il y a plusieurs univers. Là, on peut aller dans le village. Oh. Elle a un petit chien. C'est les critères pour être une petite vieille. Aïe. Ok, le fait qu'il y ait plusieurs univers comme ça, c'est cool par contre. Ça permet carrément de varier, c'est très cool. Okay. Mais du coup, j'avais peut-être effectivement fini la partie gobelin. Après, peut-être qu'elle s'améliore au bout d'un moment, qu'elle devient plus grande. C'est pas impossible non plus. Quoi. Par contre, ça me perturbe que cette arme t'es obligé de la décharger totalement pour pouvoir la... pour pouvoir la recharger. Ok, ça c'était pour réparer. Bon, à peine arrivé dans le monde, on te propose de réparer tes trucs, c'est un peu chelou, mais... Ouais, non mais c'est pour ça, je trouve que c'est une bonne idée. Faut réussir à s'y faire, mais c'est une bonne idée. Barbe à papa, là. J'avoue que c'est des flingues de NES, carrément. Ouais. En plus, ils ont précisé que c'était en plastique. Désolé, mais ça me perturbait que ce soit là. Je comprends pas ce qu'il faut faire dans le jeu. Bah, c'est le principe des roguelikes. C'est-à-dire que tu rentres dans différents donjons. Et ton but, c'est d'aller le plus loin possible, combattre des boss, t'améliorer et ainsi de suite. Y a pas vraiment un but à proprement parler. Voilà, le but, c'est survivre.
Après, visiblement, dans celui-ci, tu peux améliorer la zone où t'es au départ. Recueillir de nouvelles personnes, ce genre de choses. Quoi. En tout cas, ouais, il n'y a pas l'air d'avoir d'histoire. C'est moi où il y avait des trucs sous l'eau. Non. Bon, évitons d'aller nous noyer, sinon. Oui, on peut nager. T'es qui toi? Je te connaissais pas encore. Ah donc lui c'est le vendeur de bouffe. Ok. Du sucre. Putain, ça prend tellement de place le sucre. C'est cher quand même. Hein. Donc 7. Ah, j'ai pas assez. C'est pas une bêtise hein, ce que j'ai fait. Putain bâtard. Putain, je l'ai pas vu. Ok, va falloir faire gaffe, ils peuvent tirer par les fenêtres. Ça dit, j'ai oublié de couper la VOD. J'aurais dû faire une run, une VOD. Flex d'ailleurs. Okay. Aromate. Ah si je quitte par contre je meurs. Ça c'est pas cool. Hein. Genre t'as pas le droit de mettre en pause le jeu quoi. C'est si tu t'es lancé sur une game, tu finis ta game. Jeunesse jusqu'au bout. Du coup, on vieillit pas alors. Il est venu d'où ce petit con? Ah, ok. J'aime bien le fait qu'il lâche son arme en mode genre pardon! Épargne-moi! Par contre, ils sont moins généreux en loot. Hein. J'ai pas eu de tableau rare ou ce genre de conneries. C'est moi qui ai les deux ? Ah oui ! Ah, la tienne voulait pas se lancer.
Je pense qu'il se bat plus, mais du coup, tu peux pas avoir de loot, quoi. Puis dans tous les cas, je vais pas les épargner, ils m'ont attaqué. Oh non, ça c'est pas cool ça. Les trucs où si tu rates un saut, c'est game over. Ça j'aime pas du tout. Putain, je l'ai pas vu arriver. Je m'attendais pas à ce qu'il arrive sur le côté. Et comment tu vas, Clem? J'ai trouvé une noix. Bah écoute, ça va. Ça, ça donne quoi? Armure plus 9? Ah ouais! Ouais, c'est vachement mieux. Un bâton. Tenue de camouflage. Poumon. Et bonne nuit Papy Miel, merci beaucoup pour le lurk. Alors précision du fusil de précision plus 10. Ouais mais c'est armure plus 4, c'est pas incroyable. Et du coup, par contre, maintenant que j'ai ça, est-ce que j'ai le droit de... Non, j'ai le droit à un enchantement, mais c'est tout. Ça, ça part vite quand même, les balles, hein. Ça, ça a encore monté de niveau, donc j'ai encore le droit à un enchantement en plus. Cool. Ouais, les armes peuvent devenir assez cheatées au bout d'un moment. Ah mais l'option d'y aller au corps à corps par contre c'est mauvaise idée. Oups.
faire une petite omelette. Aromates. Une petite omelette aussi, ok. Vache! Il va falloir trouver vite fait de l'argent et des munitions. De 600 à 1200 millisecondes. On dirait que tu parles d'une voiture. Heureusement qu'il me restait une bouteille d'eau, putain. Consommation peut monter jusqu'à 100 balles en moins de 6 secondes. Oh, un mélangeur d'épices. Allez, je vais essayer de retourner là où j'avais pu faire à manger. Mais avance ! Ah, mon clavier, des fois, il fait n'importe quoi. Si je meurs un moment, sachez que c'est de la faute de mon clavier. Et uniquement la faute du clavier. Alors si je fais ça... Non. Bon, on peut pas tant mélanger que ça, quoi. C'est toujours la faute de la manette. Exactement. Ah, attendez. Du pain dur. Hein ? Je peux me faire un pain dur aux champignons ou pas ? Alors, double pain dur. Plus des noisettes, non? Un petit poumon là. Allez, un petit piment au poivre, un petit poumon au poivre avec des champignons, non? Ouais, en vrai, c'est dommage que t'aies pas un truc de recette parce que va les trouver. Je pense qu'il faut que t'aies un truc, un document ouvert à côté pour savoir quoi. Du pain dur à l'eau. Allez.
parti pour le comité d'accueil. Oh, des petits spaghettis là. Yes, de l'avoine. Ça, faut faire gaffe parce que ça laisse des marques en général. Une petite thyroïde. Bon, il me faut un marchand là. Tu as essayé le pain, le lait et la farine, tu dis, il y en a, ils veulent se faire des pains perdus. Mais le pain perdu, c'est tellement bon. Putain, ils se cachent derrière des trucs. Alors, c'est facile, mais il faut ce qu'il faut quand même. La dernière fois que j'ai essayé de faire, le problème, j'avais pas de récipient. Et c'était assez chiant de faire ramollir le... Bah, le pain. Ah! Ok. Petit spaghetti champignon, là, avec un peu de poivre. Pas le poivrer un peu ma... Non. Les bunes, ouais, je connais. Ah, un petit enchantement, là. Alors c'est quoi cet enchantement? Qu'est-ce que j'ai? Allez. Mais... Recul plus 50. Est-ce que je le mets? J'aurais plus de recul avec. Ah, quoi, à la limite, sur ça, si j'ai du recul, en vrai, on s'en fout, parce que je prends du temps à chaque fois. On est d'accord? Ou non? Moi, ce que vous en pensez? Plutôt d'accord, me dit Clem. Pardon, je réfléchissais. T'inquiète.
Donc ça, et ensuite du coup faut que je vende des trucs. Viseur réflexe. Le truc, c'est que j'aimerais bien savoir avant d'acheter. Ah ouais, voilà. Je peux savoir. Je peux savoir si ça va aller ou pas. Ça, c'est cool. Et du coup, cette arme-là, je peux jamais l'améliorer ? Ça me semble étrange. Donc c'est quoi? C'est 7 et 9. Bah l'arme de corps à corps, je peux pas y toucher. Rends les coups silencieux. Attends, mais même les silencieux, je peux pas? Ah quoi que dans tous les cas là j'ai pas assez de thunes. Bizarre. Écoutez, visiblement je peux pas. Hein. Pas sûr que ce soit très positif, Kaisis. Après, on le juge pas. Hein. Ah d'accord, dans ce sens là, ok. Je pensais le ventre, le côté bidalaire. Super gros, fumeuse cinquantenaire, ce genre de truc quoi. Ça aussi. Pomme de terre.
La confiture. Oh putain. C'est un bâtard. De la sauce piquante. Et quand ça me filait trop d'ingrédients différents, là, je sais plus comment faire. Mais attendez. Non, j'ai plus de pain. Pain et confiture, ça aurait pu faire un truc. Elle a vécu. Ouais. Elle a vécu. Mais crève un jour. Laser. Précision en mouvement plus 50%. Alors ça, c'est un énorme oui. L'IA est pas complètement conne, hein. Ah, je récupère pas quelqu'un en bâtiment cette fois-ci. Oh, je suis déçu. Ah, ou peut-être que c'est parce que mon truc était pas rechargé. Si je l'avais eu en déjà rechargé, j'aurais peut-être pu avoir quelqu'un d'autre. Alors testons des choses. J'ai de l'avoine, ce qui me donne des céréales. Des céréales et du beurre, non ? Des spaghettis à la sauce piquante. Genre, ça fait rien. Avec du poivre. Spaghettis avec des os. Spaghettis poumon. Ah, je peux pas briser les os, non ? Arrêtez la bonne vieille recette, là. Spaghettis... Spaghetti beurre. Alors même comme ça, ça fait rien. Il faut quoi de plus ? Un os au poivre, vas-y, os au poivre. Thank you.
Ce serait bien qu'il y ait un petit indice visuel de si tu te rapproches de quelque chose de comestible ou ce genre de choses. Que tu sois un minimum aidé dans le jeu. Ou que tu puisses apprendre des recettes. Enfin, il manque un truc. Saloperie. Hein. Je m'attendais tellement pas à voir un truc. Ça, ça va, pas besoin de le réparer, ça non plus. Ça, je vais peut-être le réparer, ce qui est bientôt cassé. Spaghetti œuf. J'avais un œuf ? Non, j'ai pas d'œuf. Malheureusement. Mais ils sont renforcés là, ils sont... J'ai oublié de regarder si je pouvais leur acheter des munitions. Putain, elle a rien, connasse. Finir en fuite parce que j'aurais plus de munitions, ce petit pain. Ah attendez, je viens de trouver de l'eau. L'eau, je pourrais peut-être en faire un truc. Putain, mais ça peut être tellement bâtard s'ils se mettent à viser par les fenêtres. Mais il y a un vrai level design sympa, hein. Attendez, peut-être qu'il fallait absolument de l'eau pour faire chauffer les spaghettis. Et que là, du coup, je pourrais ajouter genre de la sauce piquante. Sérieux ? La farine et de l'eau. Du pain. Du pain et de la confiture. Mais genre... Pain, beurre, confiture, ça fait rien. Pain, beurre, ça marche. Sandwich au beurre. Pour l'instant, ça va l'inventaire, mais je sens que ça peut devenir vite galère. C'est dommage que tu puisses pas stacker certains trucs. Histoire que tu saches exactement combien t'en as, ce genre de choses. Mais bon. Merde. Je lui dirais combien de fois à ce moment. Thank you.
Ouais, bah côté tryharder, mais surtout côté parkour, c'est ça qui me dérange un peu. Genre pour moi, ça coûterait pas grand chose d'avoir au moins des petits indices pour te dire est-ce que t'es en train de faire de la merde. Putain. Ou est-ce que à l'inverse, ce que t'es en train de faire, tu te rapproches d'une recette, tu vois. Ou que quand tu les, quand tu découvres une recette, que tu puisses la refaire plus facilement, quoi. Ça fait moins de boulot. Oui, c'est sûr qu'au niveau du développement, ça fait moins de boulot. Bon, pour l'instant, on survit. Putain, il m'a touché. Je sais pas où il est passé. Mais j'avais tué les deux. Ok. Alors sneak, vitesse de déplacement plus 1. Ah, c'est un peu mieux. Pardon ? Putain la vache ! J'entends un petit chien qui fait ouf ouf ouf. Sorti de nulle part là, petit chien. Céréales quand même. J'ai trouvé du cacao. Il y a plein d'ingrédients. Synthèse. Putain, mais il a pas refait son stock, l'autre bâtard là. Ah si, j'ai rien dit. Donc lui c'est 9 mm. Ouais, désolé, à chaque fois j'oublie. Et lui c'est 7. Bon, au niveau de la réparation, ça va, les deux. Au moins on est sûr. Et ça c'est bon. Et ça ça coûte bien de réparer. Ok. Mmh.
récupérer mes céréales. Mécanisme à verrou. Il semblerait que le fantôme m'ait aidé. Du lait et du cacao. Ah, je vais pas refaire du chocolat chaud. Merci champion, bah de ouf. Tongster, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est une bière. Ah, c'est une Guinness quoi. Vu le logo, ça faisait un peu Guinness. Et du coup, on va déjà arriver au dernier niveau. Ok. Donc, est-ce que je peux... Ah, attends, j'ai oublié de lui revendre ça, alors. Voilà, 1000 chèques au chocolat. Céréales au chocolat non plus. Et GG Keisus pour le niveau 124. C'est juste Hystiria, comment vas-tu? C'est bizarre que je puisse rien faire de ces spaghettis. En faire un doublement chocolaté, non. Bon. Va-t-on réussir? J'imagine qu'il fallait essayer de sauver les citoyens, mais désolé. Hein. Une rêve les citoyens, bah un petit peu. Ah, le bâtard. Oh. Ok.
plus 5%, c'est de la merde. Incroyable. Donc cette fois-ci, toi, j'oublie pas, je te vends ça. Je trouvais des algues. J'ai perdu beaucoup de thunes, hein, mais bon. Toi, ils vendaient pas de bouffe, hein. Porridge. Voilà, comme c'est l'étage du boss, on va essayer de... pas faire nimp. Surtout pas qu'il me touche parce que sinon il m'enflamme. Un survêtement. Essayons de libérer de la place pour le survêt. Ça les revendre tout ça. Tiens, espèce de merde. Armure plus 2, ouais, donc c'était bien de la merde. Ah, par contre, même eux, ils ont un emplacement limité, donc je peux pas tous leur. Je peux pas tout leur filer non plus, quoi. Donc, à mon avis, la suite est par là. Ouais, c'est ça. Un silencieux albatros. Oh, les coups de feu silencieux, dispersion moins 25. Et moi ça va aussi, merci. Vous allez, je réponds lentement. Spaghetti à la bolognaise, de l'eau en bouteille. Ouais. Le jeu est gentiment en train de me dire prépare-toi, tu vas douiller ta race. Hot dog, incroyable. Un porridge aromatisé, non? Des céréales avec du porridge, genre ça, genre tu peux pas quoi. Ah putain, j'aurais dû essayer les céréales avec du lait. C'est quoi son super pouvoir? Il était juste super résistant comme un gros bâtard.
c'est ça. Mais du coup, il m'a filé ça. Ouais, incroyable. Attends, est-ce que je peux pas les améliorer? En soi, ça me sert à rien, hein, mais ça se vendra plus cher. Dégoûté. Désolé madame, je pensais vraiment que ça allait me filer de la viande de tuer votre poule. Ils ont pas intérêt à devenir méchants. Hein. Vous n'avez rien vu monsieur. Fait y sauter. Ah. Ok. Du sucre. Ah oui, je crois que le sucre, ça prenait masse de place. C'était bien de la merde. Alors ça. Ouais, c'est ça. Super, plein de munitions. Putain, heureusement que j'ai bugué parce que pour descendre ça avait l'air d'être une horreur. Bon. Soit c'est la réussite parfaite. Et on aura réussi à faire deux mondes aujourd'hui. Soit. Soit c'est le giga fail. Hein. Putain, c'est dommage, j'ai rien trouvé pour améliorer ces armes là. J'ai deux enchantements possibles et rien. Survivre. Capsule d'âme de robot. J'essaie de regagner des emplacements. Là, j'ai une autre tenue de hockey. Et du coup, ça me semble bizarre qu'on ait déjà fini. Et surtout que là, pour une fois, ça nous a ouvert à autre chose. Ça paraît trop simple, on est bien d'accord. Dégâts de fusil d'assaut. Ah, cool.
Je dis ça, mais je crois pas que j'en ai des fusils d'assaut. Ça, on est d'accord. Ah non, c'est fusil, c'est pas fusil d'assaut. C'était un accueil pas des plus sympathiques. Et ouais, du coup l'étage n'est pas fini. Hein. Calme, c'est stressant. De ouf, y a plus de musique. Attends, y a un niveau encore après. Babeur. Qu'est-ce que c'est la babeur? Consommable. Les égouts. Oh mon dieu. On va jamais s'en sortir. Est-ce que je fais une pause dans la VOD ici, sachant que il est possible que la VOD d'après je meure en 5 minutes. C'est pas impossible. Non, continue. Après, est-ce que ça fait pas une vidéo un peu longue, quoi? De base, j'ai essayé de réduire un peu mon temps aussi. Allez, tu sais quoi? Ta-ta-ta, on vous laisse ici. Et du coup, la suite dans le prochain épisode. Voilà. À plus.